Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pascal Lemeraire, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'ENS, vous êtes surtout le fondateur des Journées de l'économie, les fameuses GECO, qui vont fêter cette année leur 15e édition, toute cette semaine. Alors, en 15 ans, quelle place a pris cet événement qui est assez unique aujourd'hui en Europe ah, Je pense que en tout cas dans le paysage lyonnais, c'est maintenant une manifestation qui est bien installée. Elle a commencé aussi d'une manière particulière. En 2008, c'était la crise financière. Et en fait, dès la première année, on avait des gens qui étaient à l'entrée de, de la salle, c'était à Lyon 2, et qui disaient ⁇ Laissez-nous entrer, on a le droit de savoir ⁇ C'est-à-dire que la curiosité aussi sur les questions économiques venait de la situation de crise. Et ce qui est particulier, c'est que 15 ans après, on se retrouve dans une situation où ce n'est pas une crise, c'est un ensemble de crises qui se télescopent aujourd'hui et qui amène, je pense, les gens aussi à se demander exactement dans quelle situation on est, vers quoi va-t-on, est-ce qu'on peut avoir au moins un éclairage dans un contexte qui ressemble plutôt à un brouillard très très épais. Alors on va en parler plus en détail, mais simplement un mot sur la manifestation. C'est une soixantaine de débats qui, sont, qui attirent toutes les chapelles de l'économie, qui sont ouverts au plus grand nombre. Comment vous projetez ces journées de l'économie à 5 ans, 10 ans alors, je pense que euh, c'est très ouvert. On peut d'abord euh, essayer d'aller vers ce qui éveille le plus la curiosité euh, de nos citoyens. Euh, la question, par exemple, c'est est-ce qu'on doit lui donner une dimension plus internationale Plus internationale, ça veut dire que tout ne sera pas en français, euh, mais qu'on peut, et c'est toujours très intéressant, avoir le regard, ne serait-ce que des Européens, euh, sur des sujets, euh, souvent on a une vision très franco-française. Dès qu'on interroge des Allemands, des Hollandais, des Espagnols, des Italiens, on, on croise à ce moment-là des visions assez différentes. Je me rappelle quand on a fait venir Mario Monti, qui expliquait comment il avait fallu surmonter la crise en Italie. Eh bien, il y avait une manière d'expliquer les choses très simple qui, d'un seul coup, donnait une nouvelle dimension à cette approche sur qu'est-ce que c'est qu'une politique économique très dure quand on veut sauver un pays. Revenons sur la situation actuelle. Vous l'avez dit. On retrouve une situation finalement comparable à 2008, c'est-à-dire qu'on est face à une crise qu'on ne sait pas forcément appréhender, ce que c'est pas assez paralysant finalement pour le citoyen. Alors je pense qu'on est dans une situation qui est pire, euh, parce qu'il n'y a pas qu'une seule crise. On voit bien qu'on a eu une pandémie, euh, qu'on a une crise géopolitique, euh, qu'on a certainement une crise alimentaire à l'échelle mondiale, en tout cas, qui est en train de se dessiner, qu'on redoute l'entrée en récession, en tout cas pour l'Europe, au début de l'année 2023, et qu'on sait qu'il y a une transition environnementale que l'on n'a pas fait, on prend beaucoup de retard, et que toutes ces, tous ces éléments sont en train de se télescoper. Si on prend la question de la crise environnementale, qu'est-ce que peuvent apporter les économistes sur ce sujet-là, où ils ne sont pas forcément les premiers On a beaucoup entendu les climatologues, les environnementalistes, mais pas forcément les économistes. Alors, c'est quand même un sujet qui est assez intéressant parce qu'on voit que les spécialistes de différentes disciplines travaillent très facilement ensemble. D'abord, dans le cadre du GIEC, on a des. Euh, des scientifiques et qui travaillent avec les économistes. Et donc, on est là sur euh, des sujets, je pense, où euh, c'est l'interdisciplinarité qui est vraiment essentielle. Il faut que euh, les spécialistes des différentes disciplines apportent chacun leur regard pour qu'on puisse regarder quelle est la trajectoire réalisable. Et une fois qu'on a identifié la trajectoire réalisable, il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire pour que ce soit crédible. Je pense que le véritable problème qu'on a en matière d'environnement, c'est qu'il n'y a pas de politique euh, claire annoncée. Ça manque de crédibilité et donc les citoyens ne voient pas sur quoi il faut s'engager actuellement. Pourquoi vous dites que ça manque de crédibilité Vous pensez que quand Emmanuel Macron annonce une politique environnementale, il n'est pas crédible, il n'est pas entendu Écoutez, c'était une la plaisanterie, je crois, dans le journal Le Monde aujourd'hui. On est d'accord au moins sur une chose après la COP 27, on fera la COP 28. Mais et ça ne va pas suffire. <laughs> Ce qu'il va falloir, c'est en effet euh, qu'on qu fasse des choix et qu'on sache en fait qu'est-ce que ça va impliquer en dans la manière de produire, d'échanger, de consommer et donc dans la vie quotidienne des individus. Pour l'instant, on essaye de les aider, on fait un bouclier euh, sur l'énergie, euh, on aide les ménages euh, les plus fragiles, c'est bien, mais tout ça n'est pas euh, en tant que tel cohérent avec une politique où on voudrait vraiment faire une transition environnementale. Quand on subventionne le plein, le plein d'essence, finalement, c'est contre-productif, y compris dans la confiance que peuvent avoir les citoyens dans une politique environnementale cohérente. Par exemple, on l'a subventionné pour l'ensemble de la population. Donc, on peut se poser la question si ça, c'est efficace, parce que ça ne consiste pas à aider les plus vulnérables. Et puis, une fois qu'on a dépensé de l'argent là, la question c'est, est-ce qu'on aurait pu mieux le dépenser pour favoriser cette fameuse transition environnementale On en reparlera, hein, on sera dans les journées de l'économie, on, on va regarder euh, au plus près cette question, avec par exemple un point très intéressant, c'est est-ce qu'on peut mesurer le vert Quand on dit qu'il y a des choses qu'il faut soutenir parce que finalement, c'est un contenu environnemental positif, est-ce que c'est facile à mesurer ça est-ce qu'on sait quel est le, le contenu vert, je dirais, d'une politique aujourd'hui qui est mise en place C'est vraiment difficile. Si les économistes font bien leur travail, on, on arrivera mieux à évaluer, en tout cas, les, les choix politiques qui vont réellement vers la transition environnementale. Vers même des sujets très concrets, comme notamment la condition animale, sont trouvés analysés par les économistes. Alors oui, ça, on verra cette année, mais en effet, l'économie de la condition animale est un vrai sujet, et on voit bien que c'est un débat de société. Je pense que ça va montrer aussi comment on peut avoir une expertise économique sur des sujets qui sont très vie quotidienne. Mais la rénovation des bâtiments, c'est aussi un sujet très vie quotidienne. On va aussi parler de l'éducation des jeunes enfants. On pourrait penser que les jeunes enfants à la maternelle, ce n'est pas un sujet d'économiste. Sauf que notre système éducatif est certainement une des institutions qui souffre le plus aujourd'hui face aux changements qui sont nécessaires. C'est-à-dire, notre capacité d'innovation, notre maîtrise des emplois qui vont se développer est certainement freinée par un système éducatif. Si on regarde toutes les enquêtes, nous montrent qu'on descend dans les classements. Et je voyais que là, par exemple, on commence à s'inquiéter beaucoup pour l'enseignement en mathématiques. Euh, bien il y a quelque chose à faire c'est urgent et on, on le voit comme ça sur la santé sur l'éducation sur le logement il y a des pôles extrêmement importants sur lesquels il faut agir efficacement et trouver les bonnes mesures pour accélérer la transition c'est ce que j'ai appelé la bifurcation euh, qui est le thème général des geco 2022 vous avez dit un mot sur l'éducation j'ai vu aussi un débat sur l'iniquité scolaire vraiment les, les économistes peuvent avoir leur mot à dire sur tous les sujets de société bah Surtout là, on a des instruments de mesure très précis et on voit que, euh, on, bien, selon l'origine sociale, les chances de réussite scolaire aujourd'hui euh, sont très différentes parce qu'on ne va pas dans les mêmes établissements et que ce système-là est euh, quelque chose qui euh, paralyse, on pourrait dire, la mobilité sociale. et que, On parle souvent d'inégalité de revenus à un moment donné entre des gens riches et des gens pauvres, mais il y a pire c'est l'inégalité dans la mobilité, c'est-à-dire le fait qu'on reste dans une position défavorisée de génération en génération, voire que ça, ça, ça va s'accentuer. et donc l'école va bah, jouer un rôle absolument central. et très tôt, hein, je veux dire que je pense que le, cette dynamique commence dès, dès le plus jeune âge. qu'est-ce qu'il faut faire avec des enfants? est-ce qu'il faut d'abord donner la priorité? Euh, entre guillemets des bases sur lire écrire ou est-ce qu'il faut apprendre euh, finalement à travailler ensemble en groupe euh, comment on fait pour que des enfants très très jeunes puissent adhérer ensemble à un, à un projet très simple et essayer de le réaliser on sort beaucoup des sujets liés proprement à l'économie finalement oui alors on, il y a aussi euh, en économie je pense plusieurs grands changements d'un côté euh, il y a eu l'économie comportementale qui vise à essayer de mieux comprendre comment les individus euh, décident avec des biais de comportement, on a tous des habitudes, ce n'est pas très rationnel, mais c'est notre manière de fonctionner. Ça, on l'a intégré. Et puis, l'autre chose, c'est que les économistes ont une masse de données à leur disposition aujourd'hui qui est absolument incroyable. Le fait que, dans cette économie numérique qui s'est développée, on a des traces de euh, pratiquement toutes nos actions, font, fait que les économistes, sur une foule de sujets, peuvent mettre en œuvre leurs techniques de traitement des données, et arriver à produire des analyses. Donc ça, un, ça veut dire que c'est assez intéressant. Les économistes se rapprochent quand même beaucoup de la vie concrète des individus. Et l'économie, il faut quand même se dire que c'est d'abord une chose toute simple, c'est comment on fait société ensemble. Dans les autres thématiques qui seront vraiment en débat dans ces GECO, il y a évidemment la question de l'inflation, avec la peur de cette fameuse boucle prix-salaire, prise en Macron, on a reparlé dans son intervention, D'ailleurs, récemment, c'est une peur qui justifie d'augmenter les taux d'intérêt, de ralentir l'économie, mais ça suscite de beaucoup de craintes. Et beaucoup d'économistes viennent dire, mais finalement, cette, cette boucle n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'inflation au final On ne dit pas qu'elle n'existe pas, on dit qu'on ne la voit pas. <laughs> Il y a des choses qu'on ne voit pas peuvent exister. Euh, pour l'instant, on ne la voit pas euh, fonctionner, et euh, tant mieux. Euh, mais euh, derrière cette question, il y a, je pense que quand on redoute l'inflation, on pense au, au passé, on pense aux années 70, après euh, les chocs pétroliers, où il y avait eu une accélération très forte de l'inflation. Et on avait eu ce processus-là. On n'est plus dans la même économie. On n'est plus dans la même économie parce que euh, bah, le monde salarié, d'abord, euh, est différent. y a quand même beaucoup de personnes qui sont avec des contrats, euh, en tout cas euh, qui sont soit des contrats du RAI déterminés, soit qui sont avec des statuts euh, différents. Donc euh, on n'a pas ce monde des salariés qui était le monde de l'industrie essentiellement à ce moment-là. Donc ça explique peut-être que la boucle prix-salaire ne va pas fonctionner de la même manière. Et puis ce qu'on voit, c'est des mouvements de prix surtout. Euh, C'est-à-dire qu'on a plutôt des phénomènes de volatilité. Actuellement, et ça, cette idée qu'on aurait en fait une inflation qui serait plutôt tournée vers la volatilité, c'est nouveau. Ça monte, ça peut se stabiliser, ça peut redescendre, ça peut remonter. Il euh, y a une euh, véritable incertitude sur ce que seront les évolutions de prix dans les trimestres à venir. Donc, il faut plutôt s'attendre à des prix qui peuvent monter, descendre et donc une, une grande incertitude. Oui, et donc les agents économiques, en fait les agents économiques vont devoir s'habituer par contre à une chose qui est très, très évidente, c'est qu'on sera dans un monde incertain, il y aura des chocs, et à chaque fois, bah, il faudra juste essayer d'ajuster ses comportements sans paniquer. Pour finir, on voit qu'on a beaucoup parlé de sujets finalement assez politiques qui intéressent le citoyen. Ça pose la question du, du rôle de l'expert en démocratie, ça va être justement l'objet d'une des tables rondes. Est-ce que les économistes... Ne prennent pas la place des, des politiques dans le débat finalement Alors, cette question des experts, on l'a quand même vue avec la pandémie. On a eu des, des débats. Euh, je pense que les, les experts je pense, peuvent mettre sur la table euh, un certain nombre d'analyses, euh, rendent en tout cas intelligibles euh, certains phénomènes. Et après, euh, bah, ce sont les citoyens euh, qui doivent s'en emparer. Et ça, euh, c'est un élément important. Je pense que les journées de l'économie, euh, c'est un peu leur rôle c'est de faire que les citoyens puissent s'emparer de discussions qui n'ont pas de raison de rester uniquement entre, entre guillemets des initiés. Et quand on dit économiste, il faut bien voir que dans la journée de l'économie, vous allez avoir des acteurs sociaux, politiques, vous allez avoir des acteurs économiques, des journalistes qui, euh, qui produisent de l'analyse économique aussi, hein, <laughs> et pas seulement des économistes. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ces différents points de vue. Sur un sujet, d'avoir quelqu'un qui a fait un papier de recherche, à côté un député qui a dû faire un rapport pour le Parlement, et puis un chef d'entreprise qui, lui, est confronté à une expérience tout à fait précise, et puis par exemple un acteur social qui milite pour qu'on change quelque chose à la société. Ils ont tous une, une compétence, et ce qui m'intéresse, c'est de croiser ces regards-là pour qu'on arrive à avoir une idée plus précise du problème qu'on essaye de résoudre ensemble dans la société. Pascal Lemaire, je vous remercie. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lion.